Salut, salut, bienvenue dans ce troisième stream musical, le stream du jeudi soir. Voilà, aujourd'hui on est là, les synthés sont toujours là, la caméra derrière est toujours là, salut à vous. Donc comme je vous disais, j'ai envie de faire un petit peu d'électro. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai déjà une petite idée de ce vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui. Kit Electro French Touch, tempo 100 BPM. L'élément principal, évidemment, c'est cette basse hein, qui fait ce son-là. Mais que je trouve encore un petit peu maigre à mon goût. J'aimerais bien essayer de la chauffer un peu, de la booster un petit peu, voilà, de la pimper un peu. Cette basse, c'est une basse que j'ai fait avec Massive, donc c'est un logiciel, c'est un VST, c'est pas du tout une basse que j'ai fait avec des synthés ici. C'est pour ça que je trouve en fait qu'elle a un petit côté un petit peu froid, un petit peu numérique en fait. Ensuite, on a donc la batterie qui a le kick. Pour le coup, je l'aime bien ce kick. Je trouve qu'il fait très moderne, malgré tout. C'est un kick qui fait un petit peu son de trap et en fait, j'aime bien. Ensuite, on a une snare. C'est un layer de 4 pistes de snare. Ça, c'est la première snare. Très fin. C'est un clap. Ensuite, on a la deuxième snare, qui est plus une snare qui va faire un effet. Ensuite, donc, on avait cette snare-là, qui est la snare principale, qui est très agressive, un peu à la dubstep. Toutes les trois que je garde en même temps, ça fait ce son-là. Donc, on est sur une caisse claire qui a du caractère, qui est plutôt impactante. Et pareil, en fait, j'aimerais bien comment dire, la compresser donc pour essayer de la booster encore un petit peu plus. Ensuite, dans les percussions, on n'a que des boucles qui font ce genre de choses. On l'entend en contexte maintenant. Ça vient étoffer un petit peu la boucle de batterie. Il y a cet instrument-là qui arrive de temps en temps. Cet instrument, c'est le micro-corg qui est ici. Et ensuite, c'est tout. Il y a ces effets sonores qui sont là à l'intro, vous les avez entendus. C'est un morceau qui est vraiment très allégé au niveau des pistes. J'aimerais donc, comme je vous disais, booster un petit peu cette basse, booster un petit peu cette caisse claire, de la mélanger un peu mieux avec le kick. Pour l'instant, je trouve que c'est deux éléments qui sont un petit peu trop ressortants dans l'instru. Et ensuite, j'aimerais bien refaire cette clave qui est là tout le long du morceau. Et en fait, je vais la refaire avec des vraies claves, donc je les ai préparées ici. Ce par quoi je vais commencer, c'est la basse, écoutez, hein, puisque c'est un peu quand même l'élément principal du morceau. Ce que je voudrais faire, c'est premièrement de la compression, et ensuite de la distorsion. Niveau compression, on va lui mettre un petit 660. Fairchild. Avant. Après. C'est subtil. Mais ça va venir faire sa différence quand je vais venir saturer après, quand je vais venir appliquer de la distorsion. Alors on commence à avoir quelque chose déjà un peu plus énervé, un petit peu plus... on sent que la basse, elle a envie d'y aller, quoi. Elle a envie de vraiment pousser le truc, quoi. Ok, c'est pas fini. Je reprends une autre instance de Saturn. Ouais. C'est un peu quelque chose comme ça que je veux faire. Ça apporte une petite variation en fait, c'est-à-dire que si je la laisse sans l'effet, ça va faire une basse qui va être continue, un peu tout le temps pareil, on écoute ça. Et maintenant je vais remettre l'effet et vous allez voir que les premiers temps à chaque fois ils sont plus accentués. Il y a un peu plus de vie, il y a un petit peu plus de choses qui se passent, quoi. Maintenant, on voudrait faire un petit peu de batterie. Ça, c'est le kick qu'on a actuellement. Pareil, je pense qu'avec un petit peu de compression, on va bien le faire ressortir. Nickel. Et puis, je vais faire pareil, je vais lui mettre un petit peu de distorsion, évidemment. Ok. Parce que du coup, avec la basse, il ira très bien. Ok, je pense que ça va être le moment d'introduire les claves. On sort le petit micro, MD441, tac. Est-ce qu'il nous entend? Il nous entend. Est-ce qu'il nous entend assez fort?
Il nous entend assez fort. Ah oui, je voulais mettre un petit peu de stéréo sur cette basse. Ok, c'est pas mal. Par contre, il va falloir recentrer les fréquences basses. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, mais que sur les sides. Voilà. Tac. Nickel. Comme ça, je joue avec celui-là, que c'est quand même plus simple que le petit clavier qui est là-bas. Ok, allez, c'est parti. Ok, je pense que j'aimerais bien enregistrer un Charlie de 707. Après, il faudra mixer tout ça. Ok, j'enregistre ça. C'est là que je vous laisse ce soir. En tout cas, merci encore d'être passé voir le stream de musique du jeudi soir. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore. Ciao !